Et salut à tous, c'est Ju, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Satisfactory. Donc, juste pour vous dire, hein, là je viens de lancer le jeu, je souviens de ce que je dois faire, c'est-à-dire aller raser une zone. Mais je viens tout juste de lancer le jeu, j'ai rien fait entre temps, je vous ai repris tout, dès le tout début en fait. Hop, on va commencer, première chose. Par aller re-remplir les générateurs, parce que je rappelle que ça coûte cher. Hop. Et que ça consomme, hein. Regardez ici, on a presque vidé le truc. Et ensuite on va partir avec la tronçonneuse pour finir le reste ici. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ceci. Est-ce qu'on a d'autres choses dans l'inventaire à part ça? Non. Je vais déplacer ceci. Si on a des fils de cuivre en trop, on va aller les ranger. Hop. Très bien. On va aller ranger. Non, le béton on va garder. On va même aller en chercher plus. Et ensuite on va voir. Il me semble que c'était là-bas qu'on avait dit. Et on va voir la taille de l'ascenseur spatial. Vu que c'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Hop, je prends ça, je prends ça, hop. Et vous voyez que le béton, on est bien chargé. Hein. On avait dit par là. Je pense. Non ? Peut-être. J'ai du mal à savoir. Ah très bien, le truc revient. On avait dit peut-être ici. On va voir la taille du bousin. Spécial, ascenseur orbital. C'est énorme. Je sais pas si là il y aura la place en fait. On va commencer, allez hop, on va commencer à tout dégager, on verra ça après. Hop, ici, tronçonneuse. Hop, dégagement, bien. Ça on peut pas. Boum. Ok, ici. Là, il y a rien, là, c'est juste une plage, ouais. On sait plein de feuilles donc c'est bien, on ira tout déposer plus tard dans les fabricateurs de biocarburant. Pas besoin de ça. Le problème c'est que c'est haut en fait. Vous voyez, ça monte, ça descend. C'est pas hyper droit donc on va plus dégager par ici. Là ce sera peut-être bien, ouais. On va continuer à bien dégager la zone et ensuite on en parlera. En tout cas, mais pour le moment le jeu, je sais pas s'il y a eu une mise à jour dessus depuis un moment. Mais le jeu, déjà dans son état actuel, je trouve vraiment top. C'est pas pour rien que je continue une série dessus, sinon j'aurais arrêté. Mais c'est vraiment hyper amusant. Bon, le problème, et c'est un problème pour beaucoup, et je dis ça m'a aussi ennuyé au départ. Maintenant ça va parce que j'ai pu le mettre de côté. C'est que le jeu est sur l'Epic Launcher et l'Epic Launcher, bon bah...
Voilà, hein. On peut... Je ne suis pas fan hein, de l'Epic Launcher. Je l'ai mis pour le jeu parce que j'avais reçu une clé, il fallait que je fasse une vidéo. Le jeu avait l'air cool. Par ça, je suis moyen. Je suis moyen chaud sur l'Epic Launcher. Voilà, comme ça c'est bon, tout ça c'est dégagé. Hop. Hop hop hop. Rien, donc ça on va pas y toucher. Ça on va dégager aussi. Je vais voir peut-être parce que là. Là, ce devrait être possible. Ici, on va voir. On peut mettre quelques feuilles. Et là, on peut mettre un peu de bois aussi. Le reste, on garde. Oh, ça, il m'en fallait un pour l'analyser. Donc, si on regarde en spécial, l'ascenseur spatial. Ouais, ça devrait prendre pas mal de... place. Genre. Non, j'ai envie de voir. J'ai pas envie de le poser. J'ai envie de voir. Non, on peut pas. Ça, c'est un truc qui manque. Pouvoir laisser le schéma un peu. Parce que là, je sais pas jusqu'où ça va en fait. Non, mais on va commencer ici par poser. Avec la plus haute possible. Voilà, on va commencer par poser ceci. Hop. Des fondations de... ouais, des grosses parce que là, le terrain est pas très plat, donc... On va essayer de s'en mettre un peu plus là. Je sais pas si je pense pas que ce soit suffisant. On va s'en remettre. Voilà, ça avance. Si on arrive très juste, donc là ce sera le maximum où on ira. Déjà qu'on a perdu 4 mètres ici. Là on peut encore en mettre, je pense qu'on peut encore en mettre une. Très bien. Ah mince. Non, c'est du 8 mètres, mais on a quand même perdu une case là-bas en gros, c'est ce que je voulais dire. Hop, ici. Si on peut encore grossir un peu, on peut rogner, pas énormément, mais on peut rogner. Je pense qu'on peut encore en faire. Non, on va voir avec ça, ça devrait être assez. On va en spécial, ascenseur orbital. Je pense que ça rentre. Ouais, ça devrait rentrer. On va aller ranger le biocarburant qu'on a en trop.
Hop. Ici. Mince, qu'est-ce que je fais moi? C'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors, ici on va aller analyser ça, ça on va aller le ranger. S'il nous en faut qu'un, parce que s'il faut plus de champignons, c'est dur d'aller l'analyser. Très bien, ici, bonjour. Ah, on peut encore remettre du mycélium. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Additionally, R&D has requested extra samples to determine the cause of an anomaly. Hop, on range, on range. Ça, je peux garder. Hop. On peut noter ici. Ah, voilà. Faut 500 béton, 250 plaques de fer, 400 tiges de fer. On va commencer par le béton. Hop, 1, 2, ça c'est bon. 1500 fils électriques. C'est énorme. C'est ça, fils électriques. 1500, je l'aurai bientôt. Ouais, 6. Voilà, le fil électrique c'est bon. J'ai tout utilisé mais c'est bon. Ensuite il me faut les barres de fer. Ça, ça doit être ici. Je sais pas si j'aurai assez. 400. Ok. C'est quoi ici ce qu'on va faire? C'est qu'on va pour le moment... Non, on va garder ça parce que c'est important. Par contre ici j'aimerais avoir un truc. Ouais, c'est ce que je ferai après. Prochaine étape, c'est une partie de la production ici va retourner là-bas. Hop. Donc ensuite il me faut les plaques. Ça, les plaques, ça va. Je pense que c'est celui qui... Ah si, il y a une partie qui part quand même. Hop. On a besoin de 250. Et ben là on va pouvoir le faire. Hop, ici. Donc en spécial, ascenseur orbital. C'est tout juste. Juste en dessous de l'arche, c'est parfait. Waouh, c'est immense, c'est génial. Bon, ça bug un peu avec ça, mais voilà. Ici. Ah, et ça c'est ce qu'il nous demande. C'est pour débloquer les jalons suivants. Il nous faut autant de matériel. Parfait. Moi ici, ce que j'ai dit que j'allais faire, premièrement, ce sera peut-être aller chercher du béton, faire des escaliers. On va commencer par ça parce que c'est la plus simple des choses que je veux faire. Parce qu'ensuite ici je vais devoir augmenter la quantité de barres de fer si je veux bouger. Et pour augmenter ceci, faudrait diviser ça ici et en faire venir là. Mais ça, ce sera juste après. Avec 100, je devrais avoir assez.
Waouh. Ouais, le truc c'est que ça, c'est cool. C'était un peu buggé à l'entrée au départ, mais là c'est bon. Ouais. On va voir s'il y a d'autres choses parce qu'on peut grimper un peu partout, on dirait, avec ça. C'est un tout petit peu dépasse, mais c'est bon. Ici c'est quoi? D'accord. Ah, j'ai compris. On peut faire automatiquement venir du matériel, le convoyer automatiquement ici. Ça doit être ça. Même chose pour l'autre côté. Mais on va pas faire ça, non, ce serait bête. Mais waouh. On le fera à la main, en tout cas au début. Plus tard on pourra l'automatiser, mais au début on va le faire à la main. Donc ici je disais fondation, rampe. Voilà, comme ça, on peut circuler assez librement. Bon, là, les escaliers, mais on s'en fout, hein, ça, c'est très bon. Et ensuite, ici. Hop. Hop. On n'a plus assez, mais c'est suffisant. Donc maintenant, pour construire un fusion là, groupeur, il me faut deux plaques et deux tiges. Je vais me prendre pas que deux, je vais prendre 16 plaques, voilà, ça me paraît bien. Et est-ce qu'il y a de tiges? Non, deux tiges c'est suffisant. Là j'ai besoin que du groupeur. Et j'aurais besoin d'un séparateur aussi. Ici un séparateur et là un groupeur. Donc je vais prendre tout. F. C'est rien, tu peux accumuler. Ici, groupeur. Hop, ici convoyeur. Et ici convoyeur. On est d'accord que ça c'est un truc qui va faire rentrer. Et donc là il me faut un séparateur. Ici séparateur. Là il me manque des câbles, d'accord. Hop, est-ce qu'il y a... Voilà, je prends 22 câbles. Ici, séparateur. Faudra peut-être enlever aussi. Hop, ce sera peut-être plus facile. Donc séparateur ici maintenant. Hop, convoyeur. Ainsi on en aura plus qui seront produites. Enfin qui, pas qui seront produites, mais qui arriveront ici. Hop, parfait.
Et donc ça va remplir. Parce que là on était un peu à court de barres de fer. Ça devenait embêtant. Donc là je range tout. Et ensuite on va chercher le jalon suivant. Crotte. Et on ira voir également si la recherche et le développement étaient finis. Si, donc commençons par recherche et développement. Analyse terminée. Et c'est fini. Là, je vais aller mettre... R&D has created a blueprint you can access in Hub Tier 3. Le lardon. Je vais voir ici. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je pense pas. C'est ici que je dois chercher maintenant. J'ai ceci, ouais. Ah d'accord, j'ai l'impression, ça je l'avais pas, donc ça doit être nouveau, non? Ça va aller très vite à faire, mais je me souviens pas avoir eu ceci. Hop. 50. Plaques en plus. Voilà, 50 plaques, 50 ça et 100 câbles. Et ensuite, j'ai envie de montrer à quoi ressemble le mode arachnophobe. Donc on ira chercher, on ira dans les grottes en activant le mode arachnophobe. Et c'est très drôle. Enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'est quelque chose de très drôle. Petite coupure de seconde. Il fallait que je chousse, donc j'ai coupé mon micro, voilà. Oh, vous avez vu la pause, ça a pas pris longtemps, ça méritait pas. Autant de faire une coupure et de m'ennuyer avec ça. Donc ici, on va aller dans les options. Vidéo. Mode arachnophobe. C'est pas ici, c'est dans gameplay. Mode arachnophobe. Activé. Donc là on a notre arme, c'est bien ça, c'est notre arme, oui. On va activer la lampe torche et on va aller vers la grotte 2, qui est la plus proche. Qui est peut-être là en dessous en fait, voilà, c'est ça, c'est juste ici. Rappelez-vous, on l'avait fait dans l'épisode précédent, je l'avais marqué, je l'avais trouvé par par mes gardes. Donc on va profondément descendre et on va essayer attendre que quelque chose nous attaque. Ah merde, il divise le chemin en plus. On va prendre à droite. Je ne sais pas ce que c'est, on va le collecter. Summersloop, whip. Ça fait plus le bruit. Ça a l'air d'être tout dans cette grotte. C'était une toute petite. Non, il y a un chemin sur le côté. Ouais, je pense que... c'était une toute petite grotte. D'accord. On va aller voir l'autre grotte. L'autre grotte, on s'était fait attaquer à un moment par une araignée. Donc là, on va pouvoir trouver quelque chose. Ouais non, je sais pas ce que c'est mais... grotte, du coup c'était par là. Il est revenu ou pas? Pas encore, hein, je pense pas. Le hub, si peut-être, je vais voir. Parce que s'il est revenu on va faire l'étape suivante. C'est peut-être ça, oui je pense qu'il est revenu. Ou alors il est pas parti. Palier 1, totalement fini, ok. Palier 2.
choisir un jalon. Allons voir la recherche et développement. C'est presque fini. Est-ce que ce truc que je viens de trouver, il a pas l'air d'être dans les objets à analyser, donc on va le mettre dans ce coffre. On en a déjà un. Très bien, on a un deuxième comme ça. Je dois donc chercher 150. Voilà. Je dois aller chercher 10 plaques. C'est compliqué là-bas. Les emmerdes, les plaques de l'emmerde, hein, je l'appelle comme ça. Normalement, on doit en avoir tout plein ici. Enfin, tout plein. C'est relatif. Mais on en a jamais eu autant d'un coup. Et les 150 plaques classiques. Je pense que c'est au niveau des vis que ça a du mal de produire. Ouais, là il est au max. C'est pour ça qu'il ne peut rien faire. Ici. 150 aussi. Je prends. Et on va envoyer le tout en orbite. Pour bien finir ceci. Donc ici, normalement, on a le craft des tissus. À quoi peuvent-ils servir? Non, on n'a pas le craft des tissus. Hop. Minutes. Si on regarde ici, on l'a peut-être pas parce que ici c'est quoi? On s'en moque. Donc on a dit qu'on allait aller vers la grotte 1. C'est par là. Normalement, quelque part là-haut, il y a une limace, hein, rappelez-vous. Apparemment, c'est utilisé dans les plus loin pour faire fonctionner certains appareils. Et apparemment, c'est chiant parce qu'il faut en récolter tout plein. Et vu qu'on n'en voit pas énormément, peut-être qu'on peut les reproduire. Ça, ce serait cool. La reproduction de plantes. Là, ah, nickel. J'avais jamais fait attention. Mince, je peux pas vous montrer. En haut à droite. Vous avez le temps qu'il reste avant le retour du pod et donc de pouvoir finir. Donc rappelez-vous, on essaie d'avancer jusqu'ici, je pense. Oh non. Oh fuck. On peut pas plus avancer parce que sinon elle va nous empoisonner. Elle nous empoisonne. Mais il y a un truc, on a vu qu'il y avait quelque chose au fond. Vas-y, c'est chiant. Je vais retourner dans le désert. Peut-être que là on pourra trouver des araignées. Ça m'ennuie qu'on en ait eu au tout début, mais qu'on en ait plus maintenant. Donc l'escalier du désert, c'est là-haut derrière. Et si on pouvait en plus trouver de la nourriture derrière. Ah, il va faire nuit. C'est propice ça pour que des araignées sortent. Et je vous dis pas hein, que vous rappelez au tout il y a quelques épisodes quand j'étais mort et que j'avais dit qu'on allait rechercher, que j'avais dû commencer à faire la recherche tout seul. Pour pas perdre de temps. On aurait perdu des heures parce que j'ai passé des heures. Eh ben. Des araignées j'en ai trouvé, mais j'ai trouvé d'autres monstres qui tiraient des lasers. On en avait vu ensemble, il me semble. Pas mal de trucs bien chiants. Et là derrière il y a un bout de grotte, mais j'ai l'impression qu'on ira pas très loin avec ça. Pas d'araignée ici. Non, pas d'araignée. Enfin, les araignées. Araignées qui n'existent pas et qui sont autre chose. De comique. Enfin, potentiellement comique. Ici, on descend. Thank you.
Bon, là, je vois pas trop l'utilité. Personne va venir mettre des mines ici. Parce qu'il y a rien, en fait. C'est juste du cuivre, comme ça, cadeau. Et ça c'est le calcaire, d'accord. On en a encore moins besoin de calcaire. Enfin, à part faire des plateformes et des murs et des trucs comme ça, ça a pas trop d'intérêt. Ici. Il manquerait des lampes, peut-être. Ça peut être cool d'avoir... pouvoir faire baliser des chemins avec des lampes. Un peu comme les balises, mais qui émettraient de la lumière et qu'on pourrait mettre tous les extants, qui serait plus simple à construire, rapide. Et qui fonctionnerait toute seule. Imaginez des petites lampes qui fonctionnent à l'énergie solaire. Des petites LED, un truc comme ça. Une technologie futuriste, qui sait. Mais ça serait utile. Pour permettre de se retrouver, pour permettre d'avoir des sentiers. Et ça peut être cool. Peut-être qu'on l'aura un jour. Le bruit. L'ambiance a changé d'un coup. Et vu que c'est un truc que j'ai jamais exploré, ça m'inquiète. Mais c'est flippant, hein. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi, là, c'est un endroit où j'ai jamais été, ça fait flipper. Oh, une plage. La mer, très bien. Enfin, un peu d'explo sans trouver les araignées, mais on fait de l'explo. Très belle zone, peut-être un peu dangereuse, je pense, hein. ça doit pas être sans danger le coin. Très belle zone. Allez, montrez-moi une araignée, j'en demande pas beaucoup. Pour une fois que je veux un monstre. Qu'est-ce ? Là on a un truc. Ça brise, c'est quoi ? Ah, c'est ce qu'on avait vu dans la grotte. Waouh. Et des fruits. Oh fuck, c'est pas des fruits. On va essayer de se dépêcher. Parce que c'est une horreur. Fait chier. Hop. Ouais, c'était pas facile. Mais c'est en allant, c'était où? C'était un peu plus là-bas. Je pense que j'avais vu un truc sous un pilier, on aurait dit une entrée. Peut-être une hallucination, mais je vais aller vérifier. Au risque de mourir. Ouais, regardez, là on dirait une entrée. Maudites abeilles. Le pod est revenu. Ouais, non, c'est juste un jeu d'ombre, d'accord. C'est quand qu'on a des armes pour se défendre? Et après, il va falloir sortir d'ici. Ça va être chiant aussi.
Rien pour se nourrir. Là, on évite. Double danger. Non, absolument rien. Si j'avais pas autant de trucs sur moi, je serais... J'aurais été... je me serais suicidé, j'aurais fait un respawn, mais j'ai du matos sur moi et qui coûte cher. Donc, faire la marche arrière. Et l'araignée, on en trouvera d'autres fois, mais je vais laisser le mode arachnophobe activé pour le jour où on tombe dessus, qu'on rigole un bon coup. En espérant que ce soit moche. Pas simplement utile, mais moche. What? Vous avez vu, il y a une bête. On va éviter d'aller lui faire coucou. On n'est pas dans une région hospitalière, donc on évite d'aller faire coucou aux bêtes. Je pense qu'on peut sortir ici déjà. C'est l'ascenseur qu'on voit là, je pense. Là, ce serait encore cette saloperie. Oui, c'est une autre saloperie. Oh oui, c'est tellement beau. Calcaire pur, donc pas de métaux précieux ou rares ou une connerie comme ça. Il n'y a plus qu'à trouver les escaliers qui sont là. Regardez, on les voit dans l'ombre. Là, il y a un truc. J'ai envie de me rapprocher pour voir. Là, sur le mur. On dirait un cristal encore. Ouais, écoutez. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais tant qu'on peut. Hop, merci. Et on va y prier pour trouver de la nourriture en chemin. Oh, ça j'ai mal fait attention, on dirait un os tranché. Hop, une tranche d'os. Ou une ruche. Petite baisse de FPS, ça arrive. Rappelle que le jeu est encore au début et que j'ai l'impression, franchement, là j'ai pas bougé la qualité. Et ça m'est arrivé beaucoup moins que sur les autres épisodes, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer, hein, ça faut le savoir. Mais il y a peut-être eu un tout petit peu d'optimisation depuis quelques temps. Peut-être depuis même le dernier épisode, j'ai l'impression. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. On a vu des décors différents. Et on s'est aventuré et j'ai flippé à cause de la musique. Parce que j'ai cru que j'allais me faire attaquer par des araignées, ouais. Enfin, des araignées, pas araignées. Ou par des monstres qui tirent des lasers. Et finalement, je me suis fait attaquer par des abeilles de feu. On peut pas dire que ça a pas été riche, quand même, comme petite expédition. Et normalement, si on regarde ici... Non, ici. En production, non, en fondation, non, en mur, on a des nouveaux, non. En organisation, si, là, on a les passerelles, maintenant... Ça c'est pratique quand un jour on fera des usines, pourquoi pas. S'il y avait des outils de terraformage, ce serait plus utile parce que les usines... Bah en fait j'ai déjà la structure des usines quand on regarde. Faudrait que je fasse des murs, mais en soi j'ai déjà la structure.
Ouais, là, ça doit être le bruit de la grotte que j'entends. Mais on a dit qu'on irait pas dedans. C'est danger. Ça, il faut pouvoir. J'espère qu'on pourra les tuer un jour. Mais pas aujourd'hui. Je me barre. Tu n'as pas de fruits, c'est dommage. Je suis pas sûr, j'ai peut-être rêvé, mais là j'ai vu des trucs orange. C'est peut-être des fruits, c'est peut-être des fleurs, probablement des fleurs. Oh, ouais. Tristesse. Ah si, il y a un fruit. Voilà. Ah, une limace. C'est quoi? Je vais la ramasser. Et on va aller voir ce qu'on peut analyser maintenant. Regardez, une autre électrolimace là. C'est très joli la nuit. Hop, commencer par recherche et développement. Ici. Ah ben là on va scanner l'électrolimace. Amanita lardum or bacon agaric can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in hub tier 1. Oui, on s'en moque. Ici, scanner champignon. Oh non, sérieusement? D'accord, en gros, c'est les paliers. À chaque fois qu'on a des trucs, on peut rajouter. Non, j'ai d'abord partir sur pistolet à couleur. 500, 250, ça devrait le faire. 100. Et 250. Alors, 250, la moitié. Voilà. Ça, c'est fait. Parce que le champignon, je ne sais pas où en trouver, vu que le dernier qu'on avait, on en a cherché beaucoup, et le dernier qu'on a trouvé, c'était par hasard, quelque part par là. Non, ici. Donc on va aller chercher hein, pour pouvoir scanner le champignon éventuellement. Mais d'abord, on va envoyer ceci. Pouf. Nouvel équipement. Là, je pense que nouvel équipement, ça doit être ici. Pistolet, d'accord. Pour ça, il me faut quoi? 5 plaques de fer, 80 vis et 40 câbles. On va aller chercher 5 plaques de fer. Cinq plaques de fer. 80 vis, 40. C'est pas 40 câbles, c'est 40 fils électriques. Hop, ça c'est bon. 80 vis. Et les vis, il me semble qu'on a un stock aussi. On va prendre 500 vis et on va aller les déposer dedans. Ok, petite coupure. Désolé de la petite interruption.
Donc. Ici aussi, on va rajouter. Et je dois aller chercher maintenant mes 80 vis là-bas. Ah, 80, non, pas ça. Et on va voir ce qu'on peut faire avec un pistolet à couleur. C'est pas tout, ensuite il faudra construire une cartouche de couleur, mais ça. Fabriquer. Voilà, et pour une cartouche de couleur, c'est 25 pétales de fleurs. Ah, ben voilà à quoi elles vont servir. Ça fait 50 de couleurs ici et là. D'accord, elles sont chargées. Et ensuite, comment je fais pour choisir la couleur? Ici. Si je veux, par exemple, repeindre mon hub. Waouh. C'est obligatoirement bleu. Ah non, on peut changer la couleur ici. Je veux partir sur un truc vert. Non, celui-ci, là, sympa. Non, c'est trop flash. Là, c'est trop orange. Ah, celui-là, j'aime bien. Voilà, select color. Voilà. Ça change pas grand-chose. C'est fun, allez, on va dire ça, c'est fun. Hop. C'est pas hyper utile pour le moment, mais je suis sûr que ça trouvera son utilité au moment venu, quoi. C'est par exemple pour faire des sections de couleurs ou etc. Donc ici, là on a ceci, on s'en fout. Là, pour revenir ici, c'est la ouais, ça doit être ça la couleur de base. C'est la couleur. Voilà. Fin de 5 minutes. Pas utile pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ça c'est quoi? Oui, c'est les tremplins. J'ai cru que c'était des maisons. J'ai fait depuis quand j'ai des maisons. Hop, je prends ceci à la place. Ensuite, prochaine étape. Non, c'est ici. Il me faut 50 plaques et 150 de fil. Je sais pas si j'en aurai 150 hein, par contre. Si j'en ai. Sans 151. Et là on fait. Hop, hein, 150. Et 50 plaques. Et du coup je sais pas combien vu que j'ai dû couper l'épisode. Voilà, 50 plaques. Ça, c'est un jalon facile. Et le champignon, je vais voir, juste pour voir ici. Hop. Pouf, envoyé. Pour le palier 1, il faut un seul champignon. Ok, new part. On a eu quoi comme new part? Ah mais non, c'est moi qui ai eu des trucs, non? C'est ici, j'ai plus de place ou une connerie comme ça. Celui qu'on vient de faire ici. Ah non, c'est nouvelle alternate. C'est quoi? C'est 6 plaques de fer et 30 fils électriques. Mouais. Où je voulais. Je voulais aller chercher quoi maintenant? Je sais plus. Si, des champignons. Et donc pour ça, on va aller par là, vers l'est. Vers l'est dans la grande forêt. Par là, on a, je pense pas qu'on a été exploré par là, donc il y a moyen de trouver pas mal de trucs. Et je vois que notre vie remonte doucement sans qu'on
Ah si, mais non, on a pris à manger, on avait trouvé deux trucs, je suis bête. Donc non, la vie ne remonte pas doucement, c'est dommage. Hop, ici, non. Ça devrait pas être trop dur à trouver un champignon quand même. Ah mais j'ai pas pris de carburant, sinon j'aurais fait couper des gros champignons à la tronçonneuse. Et là on n'ira pas plus loin. D'accord. Au moins c'est clair. Et dans le pire des cas j'ai un... Mais je pense que ça donne que du mycélium et ça donne pas le champignon que l'on cherchait. C'est parce qu'il devait avoir un champignon dans un fourré la dernière fois qu'on a eu ça en coupant pas mal de trucs. Donc on va partir à la recherche du dernier champignon. Pour vraiment finir et ensuite épisode suivant on s'occupera du gros mastoc d'ascenseur qui demande une tonne de matériel. On peut pas grimper? Non. C'est ici qu'il y avait des... Ah, c'est là, c'était la zone de la mort, c'est ça. Là, il y a un animal. Mais on va pas s'approcher de la zone de la mort. Ah, des fruits, encore. Et là, pour les éviter, je ne sais pas comment faire. Oh, des baies, il m'en faut, justement. Enfin, les noix plus que les baies. Là-bas, il y a les lanceurs de flammes, ouais. On va les appeler comme ça, ou les lanceurs de rayons laser. On va pas trop s'en approcher, j'ai pas envie, ils sont deux, donc... Ah ben voilà, ce que je disais. Où est-il? Il est mort? Hop, je vais prendre ceci. Tant mieux, je l'ai tué, ça en fait un. Est-ce qu'il y en a un deuxième ou j'avais rêvé? J'ai peut-être rêvé. Mais... Feuilles et bois, non, on s'en fout. J'ai ramassé un max de trucs ici. Ouais, j'ai... Ah non, regardez, il est là. C'est juste qu'ils font des rondes et donc... Voilà, j'ai dû l'esquiver. J'ai eu de la chance. Ouh, est-ce qu'il y en a d'autres? Ils ne font pas de bruit, mais ouais, regardez, on en a d'autres. Là, il y en a un. Viens. Viens. Hop, des plaques. Il me semble qu'il me faut leurs plaques encore, donc... Là, on en a une, on va la collecter. Bien. Allez, viens. J'ai compris le combat contre toi. Allez, viens. Viens, créature faible.
Où es-tu? Ah fuck. Là-bas, j'ai vu un autre truc qui me fait un peu peur. Ah non, c'est bon, c'est un gentil. Ça m'avance pas sur mes champignons. Bon, là, j'ai d'autres choses, mais ça m'avance pas sur les champignons. C'est tout rose. Là, ces plantes, je n'ai pas confiance en elles. Fuck. C'est bon? Non, là je peux enfin récupérer ceci. C'est quoi ça? Oh! Tu vas me suivre? Mais t'es bugué, petit bonhomme. Voilà. Je peux pas, ça marche pas. Allez, je te laisse. Ça je prends, je sais pas ce que c'est, mais je prends. Voilà. Là on a encore des créatures, please. Arrêtez de me mettre des créatures dans tous les coins. Plus ça a l'air d'être des chiantes qui vont me tirer des rayons laser dessus. Toujours pas ce fameux champignon. On a trouvé un peu de tout mais pas de champignon. On va aller faire autre chose, on va aller déposer on va aller analyser les baies. Ou une autre limace s'il y a besoin. Mais je pense que les limaces c'est bon. Je regarde hein, si je vois pas des petits champis ici, par exemple, au bas de certaines plantes. Même si ça devrait. Si ça doit être en dessous d'une plante, ça devrait être plus des plantes comme celle-là. Genre des champis géants. Avec des bébés champis en dessous. Ok, c'est fait. On va aller voir près du lac en redescendant. Parce qu'à un moment, on en avait trouvé ici des champis comme ça. Regardez ici, il y en a un. On va aller couper cet arbre. On a trouvé un champi.
Mais on peut pas le prendre à cause de l'arbre. Donc on va aller chercher un peu de matos et on va aller couper l'arbre. Je vérifie, ça m'ennuierait de couper l'arbre ici, mais hein, fuck la nature. Rangeons aussi quelques trucs qu'on a trouvé. Ici par exemple on peut ranger ceci. Allons voir ce qu'ils vont demander. Je vais essayer de faire analyser les baies. Ok. Electrolimace a été analysé. Noix ici. On faut qu'une. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. On a quoi ici en Hub Tier? Ah non, ici je suppose. Scanner champignon, non. On va aller vite. Enfin, si, on l'aura bientôt, mais on va vite finir ça. Parce que bon, il est là, hein, on le voit ce champignon. Merci. Tant qu'on y est. Voilà, on se fait un peu de place. Ouais, je sais. Allons ranger ça. Et allons envoyer un champignon dans l'espace. Palier 1, scanner de champignons, choisir jalon. Pouf. Ça on peut ranger, ça on peut ranger, ça on peut ranger. Non, ça le bois je vais regarder en fait. Et on va ranger ça en place, ici. Combien de temps? 3 minutes. Ah, la sortie, merci. Là-bas. Voilà, un tout petit peu. On n'a pas grand chose pour vous, mais c'est pas celui-ci, c'est celui derrière. Comme je disais, on n'a pas grand chose pour vous, mais on en a un peu, donc faites-vous plaisir. On va aussi planifier ici, dire qu'on a besoin de ce dont on a besoin en fait. Ici, je peux pas. Non, donc il me faut 75 plaques, 50 rotors. On va voir ce qu'on a. On va les garder sur nous, mais on fera ça pour l'épisode suivant, bien évidemment. Parce que ça va être long sinon. Hop, en rotor, on en a 59. 50 et 75 plaques, je pense pas qu'on les ait. Presque. C'est surtout pour ça, c'est parce qu'il a une très peu de comment dire. Au niveau des vis, il a une très basse alimentation. Hop, et l'autre. Ça a pas l'air d'avancer non plus, je vais aller remplir sa quantité de vis. Hop. Comme ça, c'est fait. Ça, je le mets ici. Ça, je vais le prendre et je vais le manger. Oups, il n'y en a plus. On en a combien là? 63, on va à 64, ça avance. On va ensuite aller chercher. Retourner à recherche et développement. Le pod est déjà revenu, ça aura été très vite.
Là rien. Donc franchement, on est au full ici hein, maintenant. C'est une bonne chose peut-être. 45 secondes. Et tissus, comment je fais pour avoir des tissus? On va voir si je peux, mais je pense que c'est en tissu. Je peux fabriquer des tissus, il me faut mycélium et des feuilles. D'accord. On en fabriquera dans le prochain épisode pour les analyser. Allez, 10 secondes. Et ensuite, on n'aura rien d'autre à faire analyser. Il restera des disques durs qu'on n'a pas trouvés et du tissu qu'on n'a pas fabriqué. Confirmé. Très bien. Barrel nuts can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Apparemment, on peut, mais je ne vois pas. Ah si, d'accord. Il y a des choses qu'on n'a pas. Surcadencer la production. Et bah ici, ça je peux faire, choisir. Hop. Et surcadencer la production, ça va nous faire quoi ici? Parce que ça, j'avais pas vu. Ça va faire éclat de charge. Oui. Et ça. Prochain jalon. Est-ce qu'il est revenu déjà, je pense? Choisir un jalon. Allons-y, on va finir avec ça. Voilà, et de 1. Et si je pouvais en fait, j'arrêterais pas de jouer. Hein. Je ferais des épisodes de 3 heures, ça détend. Le jeu est cool, je m'aime bien, l'ambiance est excellente. Ouais, c'est juste que je peux pas vous faire des épisodes de 2 heures. Là déjà qu'il risque de faire 1 heure et c'est pas hyper cool pour vous. Il va dépasser l'heure même, mais bon, vous avez l'habitude maintenant dans ces épisodes-ci. On fait des bons longs épisodes. Au départ, c'était court, maintenant on fait plus long. Et peut-être qu'un jour, on fera des trucs avec des coupures. Ou du montage, qui sait, imaginez-moi. Éclat de charge. Ça me coûte une électrolimace. Là, on n'a plus rien. Et là, on n'a rien non plus. Très bien. Et si j'ai envie de voir, par exemple, hein, je ne sais pas, cette machine. Ah, cadence. Si on met les trucs... Ok, c'est pour ça. Donc, il m'en faudrait 3, 6... Ouais, il m'en faudrait une infinité. Là, peut-être pas, mais pour les minerais, oui, c'est le plus important. C'est hyper important, ça. Ça ferait quoi, 3, 6... peut-être pour la mine, mais la mine, je ne sais pas si on en aurait besoin, bref. Et en... c'est bon, là on a rattrapé grâce à la seconde mine qui vient approvisionner et qu'on a fait un peu n'importe quoi avec, ça avance. Eh ben nous on va se laisser où? Tiens, on va monter au-dessus et on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.